et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. Olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner à votre droite nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jérôme à ma droite. Bonjour Francky Pérez. Non, moi c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume Pérez. Et bonjour à tous et à toutes. Alors, cher Francky Pérez, parce que je pense qu'on peut vous appeler comme ça. Merci. Cette chronique spectacle, elle est pour vous. Parce que, effectivement, comme le dit Cyrielle, d'une part, vous nous aidez à vivre. Mais je pense que l'art, le spectacle, la musique nous aident à vivre. Et je sais que vous aimez le spectacle vivant, les événements qui mettent en joie le public et que je partage fondamentalement cette joie. Alors à Paris, parce que je parlais de Paris et des States, à Paris, vous recommandez Paris Barbès Tel Aviv. C'est une comédie hilarante de votre neveu, parce qu'il faut le citer, Benjamin Elharar, qui se joue actuellement au République et qui démontre que par le rire, je le pense, on peut faire passer beaucoup de tolérance à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Et à New York, vous avez aimé Hamilton, le musical qui raconte l'histoire de l'Amérique par le biais du hip-hop et du R&B et des acteurs-chanteurs noirs américains, notamment avec le fantastique Lin-Manuel Miranda. Et voilà, nous on l'a pas vu, mais vous l'avez vu. Oui, ça a révolutionné les États-Unis. C'est parce que les jeunes ont été sensibilisés, touchés par l'histoire de l'Amérique à travers un vecteur qui est le leur. Mm. Et ça, c'est une véritable force. Pour Paris, Barbès, Tel Aviv, ils vont jouer la 1000e dans peu de temps. Ça sera une soirée exceptionnelle au Théâtre du Gymnase, présentée par Laurent Folies. Donc il reste encore quelques places. J'en profite pour faire un petit coucou. Mais vous avez la production. Raison. Voilà. Alors, moi, je voulais vous parler d'un spectacle qui se joue en ce moment, qui s'appelle 42nd Street, la 42e rue, qui est une comédie musicale éblouissante, qui fait son retour à Paris en ce moment, dansée, chantée, jouée par 47 artistes anglais survoltés, dans une mise en scène et chorégraphie de Stephen Meer, qui met le feu au bord de la Seine, le fleuve, et sur scène. On écoute le teaser. En quoi alors, Hélène, ce spectacle vous a-t-il particulièrement ébloui ? Parce que Cyrielle, c'est un spectacle total, hallucinant de beauté et de gaieté, qui enchaîne non-stop à moins de 16 tableaux, autant de décors, 300 costumes, 200 paires de chaussures, avec un orchestre incroyable de 19 musiciens et qui raconte l'histoire émouvante, alors on va parler justement aussi du livre, d'une jeune provinciale qui rêvait d'intégrer une troupe de music-hall qui débarque en pleine répétition d'un spectacle censé se jouer dans la semaine. Alors on est à Broadway dans les années 30, en pleine crise économique après le crash de Wall Street. Les artistes doivent donc travailler dur pour distraire le public et lui faire oublier la dureté de la vie. The show must go on, ordonne le metteur en scène implacable qui dirige ses girls et ses boys d'une main de général d'armée. Peggy Sawyer, la jeune danseuse, bravera toutes les vexations, les insultes, les jalousies et à force de travail, de détermination, de talent et d'intelligence, elle profitera de l'accident de cheville d'une star ridicule et vieillissante pour la remplacer au pied levé, c'est le cas de le dire, et d'illuminer Pretty Woman, le spectacle prévu sur la 42e rue, quelques jours plus tard. Et on raconte que le spectacle débute un peu comme un film, Hélène. Exactement, Cyrielle, parce que le spectacle débute avec un rideau de scène qui se lève à 40 cm. Alors moi, j'ai remesuré mon mollet pour voir si ça marche. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le rideau de scène nous laisse voir une trentaine de jambes qui cisaillent l'espace à un rythme d'enfer et qui frappent le sol de leurs talons. Le tout ressemble à une focale de caméra panoramique géante concentrée sur des gambettes entraînées à la perfection dans un canevas de claquettes multicolores. Et peu à peu, le rideau s'ouvre totalement et le spectateur pénètre au cœur même d'une répétition. C'est ce qu'on appelle un backstage, c'est-à-dire un spectacle qui raconte la création en coulisses d'une production. L'histoire, elle est à la fois réaliste, féerique, elle est menée par une succession de scènes dialoguées, dansées, chantées et jouées à la perfection, car, comme vous le savez peut-être, ces artistes anglo-saxons, ils savent tout faire. La moindre chorégraphie est un régal pour les yeux et les oreilles, la scène la plus touchante, la plus réaliste se transforme en chanson mélodieuse, les claquettes sont reines, elles dominent cette production qui exige des interprètes une éblouissante technique. Et puis évidemment, puisqu'on adore ça, les décors, les costumes aussi participent sans
sans doute à la perfection à cette production. Absolument, les décors, les costumes, on est complètement éblouis. Elles sont signées Peter McIntosh, les lumières, tout concourt à la beauté. On assiste par exemple à une corolle de femmes fleurs qui ouvre un bal comme des pivoines vivantes, à un podium ennuagé de boys en violet qui entoure la jeune Peggy, perchée sur une table sous un lustre art déco années 30, à une romance de blues dans les Bermudes, ses complaintes exotiques. En plus, les dialogues des scènes sont très drôle, piquant d'humour, de fantaisie, comme le savent écrire les Américains qui manient la comédie avec la même efficacité que le mélo. On rit, on pleure, on est ému et surtout, on passe une éblouissante soirée qui nous donne un moral d'enfer et des paillettes plein les yeux. On a envie d'aller voir ça. Comment ça s'appelle alors? 42 Street 42e rue, 42e rue, 42nd Street. Au Théâtre du Châtelet, à voir jusqu'au 15 janvier 2023. Il faut se précipiter. Évidemment, on va se précipiter. Merci mille fois, Hélène Kuttner. Allez tout de suite, si vous le voulez bien. On passe à la chronique émotion de Jérôme Goulon.